Eh bien salut les amis, on se retrouve pour la dernière mission des missions secondaires, hein, avant de passer aux missions exclusives. Donc comme je vous l'ai dit précédemment dans les vidéos, cette mission est pas très très difficile, mais pour moi c'est celle qui m'a posé le plus de problèmes parce qu'elle est beaucoup plus axée action et FPS, et que pour moi le FPS à la manette ça fait deux, j'aime bien jouer à ce type de jeu sur PC. Donc on doit sauver un agent infiltré. On doit l'aider à sortir de cette mission, de cette base. Donc vous allez voir qu'il se cache un petit Easter Eggs. Donc c'est pas une mission qui est difficile, d'autant plus que pour avoir le rang S il suffit de tuer personne. Ça permet automatiquement d'obtenir le trophée, c'est le seul trophée de cette mission. Il n'y a pas de cassette à obtenir, si ce n'est qu'on nous la donne automatiquement après avoir réussi cette mission. En fait le mec, dès qu'on a fini de le sauver, il nous transmet une cassette tout seul. Et comme je vous le dis, si vous voulez le rang S, vous allez être obligé de tuer personne, donc vous aurez automatiquement le trophée. Donc on s'en va tout de suite pour cette petite mission qui pour moi m'a posé pas mal de soucis. Donc c'est pareil, on est le temps, c'est pas nous qui le gère parce qu'on est à bord d'un véhicule qui est autopiloté. Donc je pense que cette mission je la ferai que comme ça. Puisque qu'elle soit en normal ou en difficile, la difficulté est quasi la même, si ce n'est qu'en difficile les mecs tirent un peu plus juste. Et que c'est tout quoi, il tire un peu plus juste, du coup vous êtes mort un peu plus vite, et puis voilà quoi, rien de plus. We got a request for extraction from a member of the intel team who is working undercover at the prison. As you know, it's an enemy base. There's no time for the silent approach. Assault the base, secure the target, and get out of there. Un petit indice avec ses lunettes. Is our agent from the intel team. To say he's a critical VIP would be a massive understatement. Bring him home, boss. Voilà les amis, on se retrouve, hein, j'ai failé juste avant, donc on recommence, on passe tout de suite en ouragan pour avoir les armes non létales. Vous pouvez activer aussi vos lunettes thermiques qui permettent une vision plus adéquate pour repérer les mecs. Donc vous pouvez tout de suite éliminer les trois types là qu'on croise sur notre chemin. Il y en a deux qui vont surgir là. Hop, on va essayer de les avoir. Vous voyez, je galère à les toucher et pourtant le marqueur devient bien rouge. Donc là il n'y a rien à toucher, on va faire un petit tour. Ça va arriver au bout là-bas devant le bâtiment. On va essayer d'avoir celui-là. Là, il y en a un en bas, un autre en derrière. Le plus important, c'est celui-ci. Il a une roquette. Surtout, ne pas le rater. À gauche. Ah, lui, il est trop tard. C'est mort. On va essayer de l'avoir quand même. Non, c'est mort. Je tente mais c'est mort. Ici là vous pouvez essayer de niquer celui-là là tout de suite. Il a la roquette. Là j'ai fait le con, hein. J'aurais dû passer directement sur celui qui a la roquette. Là il y en a un autre roquette qui va arriver derrière les buissons.
Boum. Bah, y a un véhicule qui doit venir. Le voici. C'est bon, je l'ai eu. Bon, là, j'arrive à une partie un petit peu difficile. Des fois, ici, je me fais avoir. En normal, rarement, mais en hard, c'est déjà arrivé. Voilà, il parle de la cassette que je vous disais tout à l'heure. Qui va nous donner. Celui qui court est pas très important, c'est celui-là le plus important parce qu'il nous touche. Et la voiture là, la voiture il faut pas la rater parce qu'elle peut tuer. Si vous la tuez pas, elle tue notre otage quoi. Putain, j'arrive pas à la voir. Enfin. Au pire, je les aurais eu au retour. Là, le camion, surtout, ne pas le rater, lui. Hop, là, j'en oubliais un. C'est fait. Ah, ça va arriver au fond, là-bas. Faut essayer de se mettre avec l'axe de l'hélico là, c'est pas trop dur, il avance en ligne droite. Ah là, il y a trop de types là. Le véhicule, dépêche-toi, mine-toi Kana, le véhicule. Allez. Là, il va avoir un autre véhicule aussi. On se fait mitrailler là. Putain, j'arrive pas à le toucher quoi. Allez! Voilà! On l'a protégé ici, maintenant faut le protéger de l'autre côté. Ils essayent de se rassembler autour de lui. Allez, boum! Et toi là-bas? Attends, t'en vas pas, reviens ici. Reviens ici, je te dis. Bon, là il suffit d'attendre un petit peu, normalement il ressort de derrière le camion, il va venir se placer. Légèrement sur la droite. Ah là, ils sont vraiment loin, c'est assez dur de les avoir. Allez. Un. En voilà un au moins, le deuxième. Plus il faut aller vite parce que là vous allez voir, voilà, tout de suite s'occuper de lui. Sinon il vous extermine, hein. Vous portant la roquette là, c'est mauvais. Ah, j'ai réussi. Des fois je meurs ici. Donc là on va aller se poser normalement. Donc là, je vous conseille de rester encore dans l'hélico, ça vous permet d'avoir des munitions infinies, le temps que vous éliminez ces 4 gardes. Voilà, une fois que c'est fait, on vérifie qu'il n'y a rien. On se dépêche, on va chercher notre otage. Prenez le lance-roquette là.
Surtout, n'oubliez pas. On le prend, on le déplace, on va le mettre à l'abri. Vous voyez, il y a un tank qui arrive direct. Hop, on le met à l'abri, on passe en roquette. On va chercher un petit coin pour se mettre à l'abri, nous. Vous pouvez retirer les lunettes thermiques, ça sert plus à rien. Et voilà, on l'allume. En 3-4 roquettes, ça va être bon. Allez, encore une. Voilà, je vous avais dit, 3-4 roquettes. On récupère notre cible. Je pense que vous avez déjà pu un peu reconnaître qui c'est légèrement. Si on fait attention, on le devine. On réembarque. Et normalement, c'est bon. J'espère qu'on aura eu l'en S. De toute façon, j'ai tué personne. Il n'y a pas d'alerte à ne pas avoir. Donc il ne devrait pas avoir de soucis. Ah oui, j'ai oublié, il y a encore des gardes à éliminer là. Pour éviter de se faire tuer. Pendant la fuite. Voilà, rien de très compliqué, hein. Ah non, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est vrai. On se fait poursuivre, on est pris en poursuite par un hélico. Donc je sais pas si ceux qui y jouent ou qui l'ont déjà fait ont réussi à l'éliminer de là, mais moi j'ai jamais réussi. Hein. Je suis toujours obligé d'attendre qu'ils viennent se placer là, en face de nous. Bon, pourtant je tente, hein. Voilà. Ça bouge beaucoup, putain. Allez. Maintenant. Oh la vache. Eh, je te touche là. Putain, il a eu le temps de tirer une fois. Heureusement, il nous a raté. Waouh. Wouhou! Ah, je suis content là. J'ai réussi. Vous avez dû le voir, hein, sur la précision des tirs. Hein. Je galère vraiment là. Hein. Voilà. On va voir c'est qui. J'ai gardé ça pour la fin parce que pour moi c'était l'Easter Egg le plus surprenant. Eh oui, les amis! Hideo Kojima Snake. En chair et en pixel. Il s'est pas loupé, hein. Ta-da. That was perfect. Et bien voilà les amis, c'est ce qui conclut la vidéo sur l'émission secondaire
de Metal Gear Solid 5 Ground Zero. Il nous reste deux missions exclusives. On se retrouve très bientôt pour vivre ça ensemble. Vous pouvez vous en retourner à votre jeu du moment. C'était Kana en direct de sa PS4. A très bientôt. Salut !